aussi pour l'émission de Christophe Charret pour le Cantique. On reçoit Christophe. Bonsoir tout le monde. On m'entend bien. Ouais. Happy birthday to... Hey, je t'ai mis la version Stevie Wonder quand même, un peu plus chic. Quand même. Ah oui. J'aurais ah, pu te mettre du Patrick Sébastien, mais c'est pas... Hein, voilà. Bon anniversaire mon Toto, merci. Merci, merci pour tous vos messages. Merci de vieillir à nos côtés, mon frérot. Tu m'entends bien, hein? C'est oui, bon, oui, on t'entend bien. Toujours le problème de son. Merci, merci pour tous vos messages. J'ai reçu des centaines de messages. Donc, j'essaie de répondre à tout le monde. Merci. Et ça fait maintenant combien qu'on est qu'on fête des anniversaires ensemble? Ça fait quatrième anniversaire qu'on fête ensemble. Quatrième année, ouais. Ben voilà. 2020, 2020, Totof, on a fêté le premier en septembre, en octobre 2020. Puis 21, 22 et 23, 24. Voilà. Ah, voilà. Bon, cette année, c'est une année de... Enfin, ces mois qui vont venir sont des mois de grands changements. Bon, on le voit, hein, ça s'accélère, mais ça, c'est aussi au niveau des planètes, il y a un tas de choses qui se passent. Enfin, tout est cohérent, tout concorde. Et moi, l'émission que je veux faire aujourd'hui, c'est pourquoi nous cachetons ces lois quantiques, les lois que je vais vous... Voilà, Toto, je vais te laisser, laisser la parole, je vais rester en arrière. Je te souhaite une bonne émission et je te souhaite encore un joyeux. Non, mais j'ai besoin de temps pour les vidéos quand même. Mais je serai là, l'aide derrière. OK ? Allez, bonne émission. OK. Alors, pourquoi nous cachetons ces lois quantiques, les lois basiques que je vais rappeler ? Parce que, en fait, la physique matérialiste, celle qu'on apprend encore à l'école, le plus souvent, est une physique qui est déjà obsolète, dans le sens où les ordinateurs, les lasers, la radio marchent avec la physique quantique. On n'apprend pas la physique quantique aux gens. Enfin, je sais qu'ici, quand j'en ai parlé la première fois, les gens étaient assez étonnés parce que c'est une physique émancipatrice. Tout ce qui serait de nature à vous émanciper, naturellement, est caché. Donc, on vous cache le fait que ce n'est pas la matière qui crée la conscience, mais c'est bien une grande conscience qui crée la matière. Et je vais vous le prouver, enfin la science quantique l'a prouvé. Qu'est-ce que c'est que la vie ? La vie, c'est facile dans le domaine quantique, puisque les lettres, les mots ne sont pas choisis par hasard. Vie, V-I-E, vibration, intelligence, énergie. Ok ? Donc la vie physique que nous constatons tous les jours émane de choses invisibles, énergie, vibration, intelligence. Donc déjà, il y a là quelque chose qui est assez interpellant. Et partant de ces principes-là, qui sont connus maintenant des élites depuis le début du XXe siècle, qui sont vraiment prouvés, il devenait beaucoup plus facile de nous manipuler, parce qu'en réalité, ils savent qu'il y a une conscience. Il y a une conscience universelle qui est, on va dire, qui ne va pas jusqu'aux confins de l'espace, mais globalement, on est un peu prisonnier de cette conscience. Bon, c'est un peu compliqué, mais il y a quand même, voilà, les humains partagent une conscience en commun qui est là, autour de nous, jusqu'à quelques dizaines de kilomètres de la Terre. Et on a aussi des consciences particulières dans le cadre de la famille. Quand on est dans une famille, on l'a choisie. Et on a à ce moment-là un contrat d'âme avec la famille. Donc ce contrat d'âme inclut un sous-ensemble, une autre conscience qui va être, je dirais, une conscience collective propre à la famille et à son fonctionnement, à son histoire. La famille est une entité et elle est systémique. Donc, quand ils ont attaqué la famille récemment, ils ont fait, par le coco, ils ont fait imploser le dernier cercle. L'humain est un égrégaire, donc il a besoin de rapports sociaux. Si sa famille implose, alors vous avez au centre des familles, on va venir après au principe quantique, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Vous avez au sein des familles un fonctionnement, une histoire, etc. Mais de temps en temps, il y a quelqu'un qui est différent. Une famille tout à fait normale, où le gars devient skinhead, on ne sait pas pourquoi, ou punk. Enfin,
Et en effet, il est parti sur un autre truc parce que il s'est dispensé ou distancié d'espèce d'égrégore collectif pour aller dans un égrégore universel. Dans ce inconscient universel, il y a absolument tout ce que l'homme a pu penser et pense à l'instant. Donc, on peut se servir. Et comme nous sommes des êtres grégaires, à défaut de se reconnaître dans une famille, on va se reconnaître dans une tribu. Voilà, l'être humain a besoin d'une tribu. Ces principes-là sont connus. Et c'est bien pour ça pour que, concernant tous les problèmes de société, quand vous avez quelqu'un qui défend sa tribu, on va dire actuellement, un Israélien défend sa tribu israélienne. Bon, c'est normal, même s'il y a des aberrations. Je dirais qu'en face, le musulman va défendre sa tribu musulmane, ce qui est tout à fait normal. Mais quand la tribu israélienne est condamnée par la tribu d'en face et une tribu qui est neutre, les chrétiens, elle doit se poser des questions parce qu'en réalité, la tribu neutre n'a aucun intérêt. Elle a un jugement beaucoup, beaucoup moins, je dirais, intéressé à la survie de la tribu. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Donc eux, ce qu'ils essayent, c'est de ramener un fonctionnement tribal pro X ou Y à leur désir. Donc cet inconscient universel, on puise des choses qui nous échappent des fois. On l'a vu une fois, je l'avais fait dans l'effet Mandela. C'est-à-dire que si vous demandez aux personnes comment est le penseur de Rodin, la plupart des gens vont vous dire qu'il est comme ça. Vous voyez? Mais en fait, il est comme ça. On a puisé dans cette grande intelligence, dans cette grande conscience, on a puisé une idée qui n'était pas à nous, mais qui est la majorité. Donc c'est super important de pouvoir manipuler ce grand inconscient universel. Et ils le font très très bien par les médias, etc., etc. Alors la physique quantique là-dedans, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend que déjà, il y a une guerre entre la physique, il y a eu une guerre entre la physique traditionnelle, la physique quantique, et il y a eu un grand conseil qui s'appelle le conseil de Solvay en 1927, où tous ces physiciens, alors là, de Einstein à Bohr, enfin, tous ceux qui ont fait la physique moderne, se sont rencontrés et sont quand même arrivés à certains consensus et n'ont pas nié l'aspect quantique de la physique. Et la jonction, le problème, c'est que Einstein a démontré énormément de choses, mais ses théories fonctionnent avec les grands ensembles, avec l'univers, les grandes masses, les grands objets. Mais dans l'infiniment petit, en dessous de l'atome, dans ce qu'on appelle le quanta, ça ne fonctionne plus du tout. Donc il y a une dualité entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et la jonction entre les deux univers, entre les deux démonstrations, a été faite par une équation qui s'appelle l'équation de Paul Dirac. Alors, c'est très très important, c'est un anglais, mais jamais, je pense que beaucoup d'entre vous n'avez jamais entendu parler de Paul Dirac, et pourtant c'est un homme qui, dans l'histoire de la science, est absolument exceptionnel. On va arriver à des démonstrations que notre pensée influence la matière et vice versa. Et vice versa. On va suivre un poussin. Je vais raconter l'histoire d'un poussin. Après, on va aller à Limoges au symposium. On va tirer des images du symposium. On va suivre un autre animal. C'était lors de ma conférence qui s'appelle Tonton. Hein, on avait fait une démonstration un peu amusante d'un principe quantique. Et on finira par les fentes de Young. On va rappeler quelques autres choses qui sont juste des principes inamovibles et qui vous prouvent que c'est la conscience. Il y a une conscience qui mène le monde et que cette conscience, on y a accès et qu'on a. C'est une partie de nous-mêmes qui est, comment dirais-je, qui ne subit pas les affres de la matière, donc qui est beaucoup plus libre. L'histoire du poussin, c'est quoi? J'ai disparu de l'écran. Non, voilà, j'ai disparu. Je vous raconte cette histoire, elle est stupéfiante. Certains la connaissent, certains ne la connaissent pas, mais vous allez comprendre. Là, c'est une démonstration. Un poussin, quand il naît, considère la première chose qui est en son contact comme sa maman. Donc, souvent, c'est une poule, ce qui est normal. Et ça peut être autre chose, ça peut être un autre animal. Et Péoche,
je dirais, un physicien un peu farfelu, a décidé de mettre un petit robot à côté de Poussin. Ce robot, il a été programmé pour avoir des mouvements aléatoires, le plus aléatoire possible. On ne peut pas plus aléatoire, c'est un robot qui n'avait pas de ligne tracée, voilà, il allait et venait. Et les poussins le suivaient. Et à un moment donné, ce qu'a fait ce scientifique, c'est qu'il a mis un poussin dans une cage de verre. Et donc, nous voilà avec un être vivant dépourvu de contact physique avec ce qu'il pense être sa mère, mais qui n'est qu'un robot. Ce qui s'est passé par la suite est magique, selon la physique traditionnelle, mais finalement est une démonstration de la conscience. Le poussin, ayant besoin de ce contact, a reprogrammé le robot. Je vous dis bien, par ses ondes cérébrales, le poussin a reprogrammé le petit robot. C'est-à-dire que la probabilité que le robot passe à côté du poussin était de X et elle a été presque multipliée par 3. Il a fait venir à lui le robot le plus souvent possible. Donc, qu'il y ait une forme de télépathie entre certains êtres vivants, pourquoi pas, mais qui est une forme de télépathie entre un être vivant qui, dans son besoin le plus vital, va reprogrammer ce qu'il pense à un moment et en fait qu'il n'est qu'un circuit, on dépasse l'entendement. Et pourtant, cette expérience, vous pouvez la voir sur YouTube, elle a été reconduite des centaines de fois. Elle a été reconduite surtout par des gens qui étaient des détracteurs, qui ne voulaient pas que ça se produise ainsi, parce que ça démontait tout le truc. Vous voyez? Et à chaque fois, ça s'est passé ainsi. Donc, il y a quelque chose de plus puissant qui, de l'ordre des ondes cérébrales, peut absolument tout chambouler, tout changer. Alors, naturellement, quand ils ont, vous vous rendez bien compte que quand le noir mondial est l'ennemi du vivant, parce que en réalité, dans ce combat, nous sommes pas seuls. Nous avons les animaux, nous avons les arbres, entre autres choses. On parle de choses macro. Les animaux, pourquoi? Parce que les animaux, ils partagent le même conscient universel et c'est ce qu'on appelle leurs instincts. C'est l'instinct qui fait qu'un banc de sardines, il se met en banc de sardines pour éviter le prédateur. Ils ont cherché qui était le chef, le pas le chef. Il n'y avait absolument pas. C'est une conscience qui leur dit cette chose-là. Donc ça, c'est la nature. Donc la nature agit en harmonie parfaite avec ce grand tout. Okay? Donc quand il y a eu vous vous rappelez de cette crise sanitaire, ils ont été jusqu'à dire qu'il fallait tuer les animaux domestiques, hein. Que peut-être ils ont essayé ça. Pourquoi? Parce qu'un animal domestique, si vous voulez, que soit le chien par sa complémentarité avec l'homme et lui donne ça donne de la force, hein, en fait, au niveau de sa conscience, ça l'accompagne. Et le chat, lui, il rabaisse les fréquences. C'est-à-dire que c'est pas qu'il rabaisse les fréquences, c'est que il vous ramène à un niveau de conscience beaucoup, beaucoup plus compatible avec vos vraies capacités quand ils ronronnent, essentiellement, mais pas que. Et donc, vous allez pouvoir normalement, en présence d'achat, aller chercher des solutions dans ce grand inconscient universel que vous n'auriez pas trouvé autrement. Voilà. Donc, il martyrise des animaux, il martyrise des arbres aussi, parce qu'un arbre coupé, toute la forêt le sait. Et à ce moment-là, les arbres environnants créent un système racinaire nouveau pour aller aider l'arbre coupé. Vous voyez? Ça, c'est l'intelligence de la nature. Donc, le but de ces satanistes, c'est d'interférer, de bousiller toute cette harmonie. Alors, sur les humains, ils y arrivent très facilement par la peur, hein, donc, et puis par leurs médias. Donc, ça, c'est le principe donc, du poussin télépathe. Vous prouve qu'il y a un lien indéfectible entre cette grande conscience universelle et notre fonctionnement. Maintenant,
Avant l'homme, il y avait la nature, a priori. Et donc, comment fonctionne la nature? Est-ce qu'elle a ce principe d'intelligence innée? Et est-ce qu'elle a ce principe qui va venir par la suite de transformer les ondes en matière, de faire en sorte que ce que l'on voit comme onde dans l'infiniment petit, une fois qu'elle est observée, c'est ce qui se passe. Une fois qu'il y a une intention, une fois qu'il y a une conscience, change son comportement. Donc une onde change son comportement. Ce sont les formes de Young. On reviendra après dessus. Donc, il fallait pour ça étudier la photosynthèse. Donc, moi, j'ai préféré le faire de manière humoristique avec Tonton, qui n'était absolument pas au courant de ce qui allait se passer. Et je pense que les 2000 personnes, 2200 personnes à Limoges, après cette petite démonstration, contrairement à ce que je dis là, où c'est, bon, vous allez retenir et pas retenir, après cette démonstration, tout le monde savait ce que c'était qu'un exciton. Voilà. Alors, si tu peux y aller, Antoine, et nous passer Tonton l'exciton, donc ce petit sketch improvisé à Limoges. On va parler de la vie, de la naissance de la vie. Quand une plante doit vivre, il faut qu'elle ait de la lumière. D'accord? À ce moment-là, un photon va arriver. Il va dégrader une molécule de chlorophylle. Il va devenir un exciton. Et cet exciton, il doit, dans un temps record, un millionième de seconde, atteindre un centre réactionnel qui va créer une fusion entre l'exciton et le champ réactionnel, capable d'engendrer un processus chimique essentiel à la vie. Mais le mieux, c'est qu'on vous montre comment fonctionne un exciton. Pour ça, j'ai besoin d'un grand acteur, le pape qui était derrière et qui est maintenant certainement devant. Je vous demande d'accueillir dans un tonnerre d'applaudissements le seul acteur que la terre entière nous envie, Tonton Posture! Alors, tonton? Non, ah, il n'a pas de micro, mais de toute façon, tu t'inquiètes pas, un exciton, c'est assez idiot. Ouais, t'as pas... Tu peux jouer l'imbécile? Ah, ouais. Donc, un exciton, feu, c'est excité. Ah, donc, ouais, c'est ça. Donc il est tout de suite dans le rôle, hein, acteur studio, hein, direct. Donc, l'exciton, il a un millionième de seconde pour générer la vie. T'excites pas, je n'ai pas dit de partir. Attends, c'est pire, tu es en milieu hostile. Attends, c'est pas fini, j'arrive. Donc, mon exciton, tu vois rien en plus. Il y a du monde, hein? Ouais, bah tu vas voir. Ah oui, ouais, y a rien du tout. Ah, je suis tout exciton. Bon, alors, exciton, tu restes là. On va dire que le millionième de seconde, chez nous, c'est 20 secondes environ. Et mon exciton, tu dois aller trouver. Oh mon Dieu! Pas dans une zone de danger quand même. Tu dois aller trouver le champ. Ouais. Oui, c'est une vengeance. Non, j'allais pas. Voilà. Donc, tu dois aller en 20 secondes. Tu n'as pas beaucoup d'énergie parce que, selon la physique traditionnelle, l'exciton trouvait son chemin, y arrivait. Enfin, c'est incroyable. Donc, voilà. Alors, tu as 20 secondes. Ton top départ, il y a un ballon. Tu dois le trouver. À quoi? Un ballon. Ah ben c'est parti. Excite-toi. Non, mais. Fais comme si, avant. Je vais pas perdre alors. Non, je te dis si tu tombes. Vas-y, va chercher le ballon. Va chercher. Va. Viens, tonton. Ouais. Non, tu cherches un ballon. Ah ben, faut sauter une banque. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Hein, il tient bien. Hein.
Bien, bien. Non, attention. Zone de danger. Il s'excite, il s'excite. C'est ingérable, un excitant. Il trouve pas. Il trouve pas, il trouve pas. Moi, je... Hey, là, tu putain, je suis tombé sur un exciton performant. C'est pas vrai. Reste, mon petit exciton. Reste là. Tout à l'heure, je vais te transformer en atome. Viens là. Je m'assois. Oui, sois gentil. Parce que je te sens bien là. Ah, parti. Ah, expliqué. Oui, tranquille. Hein. Alors, notre exciton, non mais normalement ça n'arrive pas. Hein. Je vous dis tout de suite, il y a une chance sur. On a un exciton qui est connecté. Qui est un peu... Donc, ben, qu'est-ce qui se passe? Et là, on a affaire à la naissance de la vie. La vie est quantique. Il faut que j'appelle 4 fois. Moi. Bon, on s'en fout, ça, c'est les réflexions. On n'a pas le temps. Eh bien, notre exciton se transforme en onde. Ça veut dire que si je suis un exciton ici, que je ne vois rien, dès que j'ai fait ma fusion avec la molécule de chlorophylle que j'ai dégradée, je deviens une onde. Et directement, je vais toucher la centrale. C'est la preuve que la vie naît d'une intelligence divine. Je sais que les physiciens n'aiment pas ça. Ah, donc ça, c'est tonton l'exciton. Donc, je répète. Le photon, c'est une particule de lumière. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Il est censé aller dans les méandres d'une feuille ou d'un végétal quel qu'il soit, aller trouver une toute petite centrale dans la matière. Ce petit photon, comment il fait dans la matière pour trouver son chemin? Eh bien, il se transforme en onde. Donc, dès le départ de la vie, ceci, la matière, peut se transformer en onde si besoin s'en fait sentir. Et Dieu sait si les végétaux sont importants. Donc, c'est ça. Et donc, ça s'appelle un exciton. Hein. Vraiment, le nom est paraît incroyable, mais c'est pourtant bien le cas. OK. Donc, la matière... au niveau du quantum, au niveau de l'infiniment petit, qui, quand on l'observe, va se fixer. C'est-à-dire que, en réalité, dans l'infiniment petit, non observé, on a un infini. Ce téléphone, en fait, observé dans l'infiniment petit comme matière, on le verrait là, 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 là. Et on le verrait un peu partout, il vibrerait. Vous voyez ? C'est ça. On ne saurait vraiment pas. Où est la matière? Il est superposé. L'onde et la particule sont superposées. Donc, qu'est-ce qui va déterminer que ça devient de la matière? L'observation. Une conscience. Oui, c'est fou. Vous savez, la physique quantique, on rentre dedans, comme ça, tranquille, mais pour en sortir. Pourquoi? Parce que ça casse toutes les... Si vous voulez, ça casse tout ce qu'on nous a appris. Y compris les religions, hein, et pourtant c'est très proche du c'est très proche de la spiritualité tout ça, parce que ça admet l'existence de quelque chose de plus grand, de plus intelligent, et surtout qui ne commet aucune faute de goût. Les fautes de goût, c'est nous qui les commettons. Voilà. c'est un anniversaire. Bravo, franchement, il est fort. On va repartir sur la forme de Young. Je vous répète la forme de Young, 1925. Ça a tout révolutionné. Hein. Donc, si tu peux passer la petite vidéo, et je vais la commenter. Les formes de Young, d'ailleurs. Donc, la lumière se comporte comme une onde. La lumière, c'est très important, hein, vous verrez, parce qu'on apprendra après qu'elle n'est pas que de la lumière, elle n'est pas qu'une onde. Donc forcément, quand on envoie de la lumière à travers deux fentes assez rapprochées et qu'on met un mur au bout,
eh bien, ça se comporte comme une onde. Voilà, ça se sépare et ça va créer des zones, ce qu'on appelle des zones d'interférence. Voilà, on voit ces zones d'interférence. Avant, il avait fait avec des petites billes et ça avait créé deux lignes naturellement parallèles qui étaient les impacts des billes. OK? Maintenant, on va mettre un observateur. On va mettre ici à droite, on va mettre un appareil capable de mesurer ce qui se passe, de voir ce qui se passe avant l'impact. Là, on a les zones d'interférence qui sont toujours sans observation, qui sont toujours comme elles doivent être. Sauf que, comme dans la lumière, il y a des photons, et que photons, c'est des particules, quand on les observe, ils se transforment en matière. Donc, l'observateur, l'intention, la mesure change l'onde en autre chose. Quelque chose qui est de l'ordre de la matière, de la particule. Vous voyez? Donc, les choses dans le vide sont dans deux états. Ça, c'est ce qu'on fait avec des billes. Voilà. Vous avez une onde qui s'est comportée comme de la matière, ou qui s'est muée en matière. Alors, si vous voulez, ça défie tout le bon sens. Tout est ça. Hop, stop. ouais. Ça, c'est pour plus tard. On va y aller tout à l'heure. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'observation, donc l'intention, la mesure, a changé le futur. OK? Donc, notre conscience a ce pouvoir. Alors, ça a changé le futur dans la matière, au niveau du quanta, mais est-ce que ça peut changer le passé? C'est une question que tout le monde se posait, puisque ça change le futur, est-ce que ça peut changer le passé? Et la réponse va être donnée par John Wheeler, vous allez voir, c'est stupéfiant. D'observer les particules de lumière avant qu'elles ne soient mesurées. Alors vous allez me dire, s'il les observe avant qu'ils soient mesurés, il les observe, donc il va changer leur comportement, puisque l'observation change leur comportement. Non, le système qu'il a inventé les fait qu'elles sont observées sans le savoir. C'est un peu compliqué, mais c'est ainsi. Donc, il va observer ces particules. Il va observer donc ces particules de lumière, ces photons, et il va se rendre compte que le fait de les avoir mesurés à un certain moment a changé leur forme au préalable. L'observation influence le passé de ces objets quantiques avant le choix déterminé par l'observation. Dès lors, selon Wheeler, qui imagine la naissance de l'univers il y a 13,5 milliards d'années, il imagine que la matière solide, plutôt après être, je dirais, après sa forme ondulatoire, est devenue matière après une observation. Une observation de qui, de quoi? Ça reste un grand mystère. L'humain est un observateur. L'humain peut changer l'univers matériel qui l'entoure. Alors, tout ça paraît fou, mais ce sont des principes quantiques qui sont prouvés et qui ont, qui ont révolutionné la physique. Il y a eu des joutes verbales entre Einstein et Bohr, parce que Einstein, il admettait une partie de la physique quantique, mais il disait pour le reste, Dieu ne joue pas au dé. Il a dit à Bohr, alors vous voulez me dire que si la Lune n'était pas observée par les humains, elle n'apparaîtrait pas. Et Bohr lui a répondu, comment voulez-vous que je le sache? Puisque, comment voulez-vous qu'il sache ce qui s'est passé avant l'observation? Voilà. Il a fallu un observateur, il faut des observateurs, manifestement, il faut une conscience pour que la matière apparaisse. Vous voyez? C'est absolument
un changement complet de paradigme. Donc, comment on nous manipule? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. On sait que si l'on manipule la conscience universelle, on manipule la matière, on manipule votre rapport à la matière, on manipule vos pensées. Donc, vous qui nous regardez, manifestement, vous êtes des gens assez à part, puisqu'il y a une partie de cette grande manipulation qui ne vous a pas touché. Hein. Donc, ce monde vit et n'est que de la vibration, de l'intelligence et de l'énergie. Savez-vous que qu'est-ce qui provoque le tonnerre, par exemple? On peut même imaginer le Big Bang. Qu'est-ce qui provoque le tonnerre? On dit souvent, la règle est la suivante. Quand l'éclair arrive, vous comptez le nombre de secondes et vous savez où est l'orage avant le tonnerre. Voilà, le nombre de secondes qui sépare l'éclair du bruit du tonnerre, l'orage sera à 1 seconde, 2 secondes, 1 ou 2 kilomètres selon. Voilà. Ce qui provoque le tonnerre, c'est la dilatation de l'air. Puisque l'éclair, c'est 30 000 volts, donc qui vont du ciel à la terre en un éclair, c'est le cas de le dire. Cette dilatation crée ce grand bam, ok? Donc, est-ce que la naissance de l'univers, ce ne serait pas ça, ce Big Bang? Ce ne serait pas une lumière bourrée d'informations, bourrée de photons intelligents, qui rencontre, donc une intelligence, une lumière, qui rencontre autre chose? Et pour ce qui est de l'intelligence, pour ce qui est de l'intelligence, d'où vient-elle en réalité? Est-ce que nous la puisons pas quand on parle de génie? Est-ce que le génie n'a pas puisé quelque chose qui existe déjà? Quelque chose qui a été amorcé par d'autres? Est-ce qu'il ne l'a pas simplement amalgamé? Vous voyez? C'est ça, l'idée, c'est que de chaque être humain sort une pensée, des pensées, et ces pensées, c'est une énergie. Et donc, l'énergie, elle s'arrêterait ici, en boîte crânienne. Non, cette énergie, elle part. Elle est partagée. Voilà. Si vous savez couper les parts de ce gâteau, vous manipulez l'humanité. OK? Et ça se fait par la peur, en général. Hein. Antoine, il disait tout à l'heure que il s'est séparé de son groupe, hein, puisque, par rapport à Telegram. Les projets humains ne tiennent en quantique, hein, il n'y a que deux lois, mais ça vaut pour les humains, la peur ou l'amour. Voilà. Ce qui tient les gens, c'est ou la peur ou l'amour. Le monde est mené par la peur. Donc, quand on a un projet commun à l'alliance humaine, où il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de système de vénération, ça peut être mené que par une forme d'amour, et je dirais d'admiration, de ceux qui vont le mettre en œuvre. Mais contrairement à la peur, qui peut être à chaque fois réactivée, le sentiment de, je dirais, d'admiration, d'amour, il peut s'éroder. Il est très difficile de remettre une pièce, vous voyez? C'est quelque chose qui est beaucoup moins durable. Et c'est pour ça que des projets qui sont menés dans l'amour ont une tendance à s'éteindre, ni plus ni moins. Pourquoi? Parce que ce fil invisible est moins tendu, est moins présent que des projets menés dans la peur. C'est très facile, c'est en effet toujours réactivé, on le voit actuellement. Donc comment on imagine un nouveau monde? Un monde qui est mené par en effet des projets d'amour, mais qui tolérera l'obsolescence rapide de ces projets. C'est-à-dire que c'est un monde qui sera en perpétuel renouvellement, parce que ce sentiment ne peut pas durer éternellement. Mais si on veut rester dans cette énergie, il va falloir reconstruire régulièrement quelque chose, une autre voie, qui sera une voie admirée de tous, ou du moins de la majorité, et qui permettrait une adhésion. Vous voyez, c'est un monde qui sera beaucoup plus mouvant, alors que ça fait des milliers d'années qu'on est tenu par le même égrégore. Voilà, j'ai fait un peu le tour. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais
Les principes y sont. Et vous voilà bien avec ça, parce qu'en réalité, c'est quand même normalement, si on réfléchit bien, c'est quand même une sacrée perquisition dans ce que l'on croit savoir. Voilà. La physique, pour en finir vraiment, la physique traditionnelle impose une démonstration et une conclusion. La physique quantique se contente de démonstrations et de conclusions multiples. Et ça, l'humain, par ego, la plupart du temps, ne le tolère pas. Parce que c'est un questionnement intérieur qui le dépasse. Or, on a un monde de scientistes. C'est une science sans conscience, si vous voulez. La science doit se marier avec la conscience. Et nous, on a une science sans conscience. Quand la science sera mariée avec la conscience, on sera beaucoup mieux. Voilà mon Toitouane. Il me voit pas, il a disparu, je sais pas. Antoine. Non, bon, il doit être... Ah non, mais j'avais juste envie de te foutre un peu mal à l'aise pendant 2 secondes pour ton anniversaire. Salaud. Mais déjà que j'essaie d'expliquer des trucs qui sont... il n'y a pas de réponse réelle. Il y a un ressenti. Il n'y a aucune réponse là. Il n'y a aucune réponse. Alors, ce que tu nous as fait, tu nous as refait un comeback sur la base du quantique. C'est vachement intéressant. Avec une nouvelle approche, une nouvelle façon de l'expliquer. J'ai trouvé ça, c'est ça que c'est quantique. C'est ta manière d'expliquer voilà. Est quantique aussi. Donc, voilà. c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on n'est pas programmé pour cela. Mais essayez de retenir l'histoire du poussin. Voilà, déjà, l'histoire du poussin, c'est dame. C'est, les scientifiques, de plateau dirait ah ouais mais ça on sait pas bah ouais, ouais c'est vrai je sais pas et moi forcément. Est-ce que tu veux nous toucher peut-être profiter de l'émission pour nous toucher un mot de ce nouveau projet qui est le camping Néo camping pour l'instant ah oui je dois repréciser des choses je n'ai pas de camping à vendre hein. Je ne suis pas vendeur de camping alors on va redire les choses. Il y a des gens qui sont lanceurs d'alerte. Moi, je suis lanceur de projet. J'ai une idée à la seconde et des fois, je la propose au plus grand nombre. Quand c'est une aventure de cohésion entre humains et à vocation entrepreneuriale, pour moi, c'est facile. C'est quelque chose qui est très facile pour moi. Or, pour d'autres, c'est plus compliqué. Et pour moi, par exemple, l'anglais, c'est très compliqué. L'ordinateur, c'est très compliqué. Oui, chacun ses facilités. Moi, dire, OK, demain, un groupe d'humains peut acheter un camping, être propriétaire du droit d'exploitation, du foncier, et imaginer ce qu'il peut en faire, pour moi, c'est rien du tout. Mais voilà, je ne suis qu'une force de proposition. Une fois que un nombre de personnes suffisant sera réuni, ce sera ma mission de vous présenter les choses de manière juridique. Parce qu'on est dans la matrice, après tout. C'est tout. Je n'ai rien à vendre. J'ai des gens qui m'ont demandé, il est où le camping? On n'a pas choisi de camping. Je ne sais pas combien de personnes vont être volontaires, comprenez-vous. Il y en a qui me disent, ah, moi, j'aurais qu'il soit là. A pas compris. C'est pas pour y vivre, c'est un investissement. Naturellement, tu pourras y aller. Et moi, je veux qu'il soit là. Ceux qui disent je veux qu'il soit là, je vous dis, ils sont éliminés. Je l'ai dit, ce sera dans la moitié sud. Ce qui a tué Néo, c'est les désirs particuliers de chacun. Moi, je veux ci, moi, je veux ça. Imaginez des dizaines de personnes qui ont chacun un désir. À la fin, on arrive, on peut rien faire. OK? Il y aura, si cela se fait, l'achat d'un camping dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône, vous voyez, peut-être vers le lac de Sainte-Croix, je ne sais pas, peut-être aussi où ils sont un peu moins chers, vous savez, non loin de Perpignan, c'est pas, on n'en est pas là. On en est au fait, est-ce que certains voudraient rentrer dans ce projet? Déclaration d'intention, on n'a pas fini le projet, après, est-ce qu'il y aura assez de gens? Pour l'instant, non, pas du tout. Hein. Pour l'instant, il y a 5-6 personnes qui ont bien compris le truc. Hein. Les autres sont à côté. Hein. Il faut donc, je suis désolé, il faut
de l'argent pour acheter un camping. Je ne comprends pas que quand on propose quelque chose où il faut amener des fonds, ceux qui n'en ont pas critiquent ceux qui en ont. C'est débile. C'est débile. Parce que, insidieusement, si on arrive à mener à bien ce projet, qui dit que celui qui n'a pas d'argent ne pourra pas en profiter? Connaissant l'esprit de l'alliance humaine. Okay. Alliance d'évasion, les gars. Faut... voilà, non, mais tu comprends ce que je veux dire? À chaque fois que des gens qui ont encore de l'argent en banque et qui peuvent, avec cet argent, aller dans une aventure. Ou attendre, ou. Et quelque chose qui a de la gueule, quoi. Hein. Mais je ne, voilà, je ne vends pas de camping, je suis juste un lanceur de projet. Voilà. Et pour moi, c'est facile, je vous le dis encore. Tout ce qui est entreprise, quel que soit le type d'entreprise, je comprends vite. Voilà, je comprends vite. Donc c'est tout. Je n'ai pas d'autres. Si vous souhaitez en savoir plus et avancer dans ce projet avec Totoff et l'Alliance humaine, christophe@gmail.com. On m'a demandé le minimum. Le minimum, à mon avis, c'est de pouvoir au moins posséder 1% du foncier en dessous. Donc si le camping est à 2 millions, bah, c'est 20 000. Si le camping est à 1 million, c'est 10 000. En dessous de ça, ça me paraît compliqué. Ça va faire énormément de personnes autour. Voilà. Donc le reste viendra après. Donc ceux qui ont moins, ceux qui ont petit, c'est un autre problème. Ceux qui ont 10, 20, 30, 40, 50, voire plus, c'est une personne qui a 200 000 euros. Vous voyez. Qui viennent à nous, à moi, du moins pour l'instant, et après on verra si on va sur ce projet. Le choix du camping, je ne l'ai pas fait. Ce sera un choix collégial. C'est, moi, voilà. Mais, avec ça, voilà, c'est les investisseurs qui décident. Je, naturellement, tout le monde, enfin voilà, globalement, les gens veulent aller dans le sud. Ça, c'est 80, si 80% veulent aller dans le sud, ben, les 20% qui ne veulent pas y aller, ils se retirent du projet. C'est pas un problème. Hein. Ça reste démocratique. Normalement, c'est pas un projet de localisation, c'est un projet d'investissement. Donc, quel que soit l'endroit, c'est l'investissement qui prime et c'est ce que vous allez en récupérer au fond. C'est ça. Vous récupérez plus facilement dans le sud de la France que dans le Vercors, même si c'est très absolument joli. Voilà, c'est bien dit dans le sens, quand il y a un projet comme ça d'investissement, arrêtez de personnaliser moi. C'est un projet. Non. Est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt à posséder des parts d'un camping qui est une terre, un droit d'exercer et une exploitation commerciale, donc une possible rentabilité? Le problème, il est simple. Bien sûr. Les choses plus compliquées qui viendraient par la suite, ne vous posez pas ces questions. Allez de A à B, est-ce que l'idée vous séduit? Parce qu'entre A et B, on s'en occupera plus tard. OK? Voilà. Donc pour l'instant, pas de questions. Vous voyez, j'ai plein de questions à droite, à gauche. Est-ce que si, est-ce que ça, le montage juridique? On n'en est pas là. Ben pour l'instant, le projet, à J plus 48 heures, il ne verra pas le jour. J'ai trop peu de monde. Pas trop peu qu'on compris. D'accord. Voilà. OK? Donc, c'est pas compliqué. Alors, c'est pour ça que je t'ai posé la question, pour savoir s'il y avait un retour. Si, voilà. Donc, c'est parfait de clarifier les choses. Donc, il y a beaucoup. Si vous n'avez pas encore débancarisé et que vous ne savez pas comment faire, ben, soit de l'or, soit des diamants, soit un investissement sur ce genre de choses, ce camping qui serait un truc vraiment, un bon investissement, surtout s'il est dans le sud de la France, ça c'est évident. Voilà. Je remercie mon Totoff. Est-ce que tu avais un mot de la fin? Oui, contraire. Voilà, je disais, c'est pour revenir sur le quantique, le monde se tient par la peur ou par l'amour. Je pense que vous avez choisi votre camp. Ne faites surtout pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Et je dirais que contrairement à la peur, l'amour ne crée pas d'esclaves, mais des volontaires. Voilà, c'est tout. Merci mon Totoff. Je te souhaite encore un bel et heureux anniversaire. Je me doute bien que tu vas fêter ça dignement ce week-end. Oui. En tout cas, on sera avec toi par le cœur, par la pensée. Et je te souhaite encore plein de milliards d'années à nos côtés. Et merci d'être là. Voilà. On t'aime. Merci, merci à tous. Je vous embrasse. Merci encore pour vos témoignages et les nombreux messages que j'ai reçus. Je vous embrasse. Bisous, mon frérot. Ciao, ciao. À la prochaine. Voilà, c'était encore une belle émission quantique.
Pour ceux qui ne comprennent pas bien le quantique, eh bien, reprenez ces exemples avec les ondes et tout ça. C'est super intéressant. En tout cas, c'est le monde de demain. Et on va se quitter avec la première chanson qu'a écrite Totof, justement. Et je vous donne rendez-vous donc vendredi soir. Et je vous fais des bisous. Et soyez heureux. Et le reste, on s'en bat les couilles. Allez, ciao. Ne laissons pas le temps vieillir sans nous. Ne laissons pas le temps, ne laissons pas le temps. Brisons les murs de masques et de crachats. Brisons les murs de masques, brisons les murs de masques. Préparons la moisson des carillons. Le carillon, le carillon. Changeons ce monde de face. Rions, chantons, rions, chantons. Liberté dans toutes les écoles. Liberté, plus de protocole. Liberté, ta main dans la mienne, on sera les mêmes et notre règne est bon. Liberté, parce que c'est un choix. Liberté, parce que c'est un droit. Liberté, nos vies sont à nous, tous au rendez-vous, ensemble c'est moins flou. Usons de la force qui ravive les sons. En nous la force, en nous la force. Espérons l'homme, espérons l'autre. Espérons l'homme, espérons l'autre. Reprenons-leur nos vies. Rions, chantons, liberté dans toutes les écoles. Liberté, plus de protocole. Liberté, ta main dans la mienne. On sera les mêmes, que notre règne vienne. Liberté, parce que c'est un choix. Liberté, parce que c'est un droit. Liberté, nos vies sont à nous, tous au rendez-vous, ensemble c'est moins flou. On est bien, on est très très bien. Soyez heureux.